T'as vraiment assuré au club enfant la semaine dernière, donc tu y retournes, mon ami. Merci. Ensuite, Chloé, on va remettre le tennis et le badminton sous les projecteurs. Les inscriptions ont baissé de 20% la semaine dernière, donc la balle est dans ton camp. Compris, patron. Il va y avoir tellement d'inscriptions qu'on aura besoin de nouvelles raquettes. Parfait. Bon, approchez. Venez par là. Alors, d'abord, désolé pour cette réunion tardive. Je voulais vous remercier pour votre incroyable travail de la semaine dernière. J'ai vu que des touristes qui avaient la banane, et ça, c'est grâce à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Ouais, on s'applaudit. Ouais. Apparemment, on est encore complet cette semaine, donc on va être sur le pont 24 sur 24. Je veux que tout le monde soit à son max, ça veut dire que les ballons de volée ne doivent jamais toucher le sol. Je veux que les masques de plongée soient si propres qu'on puisse repérer un poisson globe à 30 mètres. Et je veux que les bouteilles de plongée soient pleines du plus pur des oxygènes. Ah, ça, patron, c'est pas vraiment recommandé parce que c'est un mélange nitrogène-oxygène, cette bouteille. Je suis content qu'il y en ait une qui suive. Allez, les jeunes, place à une nouvelle journée de soleil et de bonne humeur. Notre collection Romance sous les tropiques, notre gamme de polars et nos livres jeunesse ont vu leur vente progresser en version numérique comme en version papier. Les projections du prochain trimestre affichent une hausse de 15 à 18%. Je conclurai donc en vous disant que contrairement à beaucoup d'autres qui peinent à relever le défi d'un marché très changeant, notre entreprise reste l'une des maisons d'édition les plus rentables de New York. Merci. Le timing est parfait. Eric devrait être là dans 5 minutes. Tu as tout apporté? Tout est là. Tes bagages et les chiffres du dernier trimestre. Ton discours était super, Kate, et c'est pour ça que tu vas très bientôt devenir notre directrice générale du marketing. Oui, enfin, pas si vite. Les mots exacts de Gwen étaient « Si tu brilles lors de ta présentation devant Monsieur Whitehall, la promotion sera pour toi. Hein » Qu'est-ce que c'est? Peg l'ornithorynque? Par Kate Mitchell? Oh, ça a dû se mélanger avec le reste des papiers. C'est une histoire idiote que j'ai écrite à l'université, un livre pour enfants. Oh, j'ai vraiment besoin de ces vacances. Quand je ferme les yeux, je ne vois que des chiffres partout. Avec Eric, on a tellement été occupés ces derniers temps qu'on aura sans doute du mal à se reconnaître. Vous allez fêter votre premier anniversaire. Tu crois qu'il va faire sa demande? Je dois dire que ça m'a traversé l'esprit. La vie est comme un livre et je suis prête pour le prochain chapitre. Le timing est parfait, Charles. La série A est bientôt bouclée. Essayons de conclure au plus vite. Salut, toi. Je te rappelle de l'hôtel. Salut. T'inquiète pas, moi aussi, j'ai pris un peu de boulot. C'est pour ça qu'on est fait l'un pour l'autre. Chacun finit les tableurs de l'autre. Exactement. Je te promets que ces vacances, ce sera 80% de romance et 20% de travail. Et si on visait plutôt 90, 10, qu'en dis-tu? Vendu. Du moment qu'on a du temps ensemble, sans date butoir ni rendez-vous. C'est exactement ce que je veux. Il y a une petite chose dont je voudrais te parler, mais ça attendra notre arrivée à l'hôtel. Le taxi est là. Pour nous emmener vers le paradis. Votre sac, s'il vous plaît. Merci. Waouh, c'est encore plus beau que sur la brochure. Merci. Merci. À nos vacances. Non, je te jure, je me moque pas. Oh, attends. Wow. C'était moi une. Oh, mon ordi portable, ça aurait été un désastre. Merci beaucoup. Je suis là pour ça. Bienvenue. Shep? C'est toi? Cathy Mitchell? Oh! Alors ça, c'est la meilleure! Oh! Je me fais appeler Kate maintenant, mais... Mais quelle surprise! Tu as l'air... En pleine forme? En fait, j'allais dire plus grand, mais oui, en forme aussi. Eric, je te présente Michael Shepard, Shep. On était animateurs de colo tous les deux, il y a un siècle. Eric, voilà un beau prénom, de viking. Vous êtes un vénard. Kate a toujours été unique en son genre. Et elle l'est encore. Ah, désolé. C'est le bureau, je reviens. Quelle surprise! Ça fait combien? Je dirais au moins 15 ans, non? Plutôt dans les 20, aussi fou que ça puisse paraître. Oh non! Qu'est-ce que tu fais Mon là? Mon service a commencé il y a 2 heures. Si je suis pas dans les parages, je suis viré. Oh, tu travailles ici? Oui, directeur des activités. Ça a l'air plutôt marrant. Et qu'est-ce que tu... Je dirige des activités, pour résumer. Je m'occupe du divertissement, j'organise les excursions des vacanciers. On dirait que l'ancien animateur de colo a visé un cran plus haut. Non, c'est bien mieux que la colo, cet hôtel. Ici, c'est rare que je console quelqu'un qui veut rentrer chez lui. Et toi alors, médecin, physicienne? Non, pas vraiment, dans l'édition. Évidemment. Tes histoires au coin du feu étaient légendaires.
J'adore lire un de tes livres. En fait, je suis dans le marketing, je n'écris pas de livres. Oh, eh bien, c'est fantastique aussi. Désolé. Pas de problème, on rattrapait le temps perdu. Alors, vous étiez en colo ensemble? Oui, pendant 3 étés. C'était une grande championne de tir à l'arc. J'adorerais voir ça. Oui, sauf que c'était il y a vraiment très longtemps. Je vous laisse aller à l'accueil, mais je vous promets de m'occuper personnellement de vos vacances et de veiller à ce que tout soit parfait. Merci. Bon, après toi, Robin des Bois. C'est fou, il n'a pas changé du tout. C'était qui, patron? Personne, une vieille amie. Alors, j'ai une réservation pour 2 chambres grand luxe. J'espère que vous apprécierez votre séjour. Voici vos clés. Oh, merci. Merci. Je vois que vous avez choisi le forfait VIP. Bien joué. S'inclut un dîner romantique aux chandelles, rien que vous deux et le ciel étoilé. On peut organiser ça pour demain soir, si vous voulez. D'accord. Et vous aurez bien sûr accès au plus classique de nos activités. Plongée sous-marine, parachute ascensionnelle, oh, tyrolienne... Tout ce qu'il va nous falloir, c'est 2 chaises longues. Et le mot de passe pour le Wi-Fi. Oui. Maribel, ces petits fours vont dans la suite El Presidente pour l'événement Van Houten. Van Houten, vous voulez dire Gus Van Houten? En effet. Il organise une réception ici aujourd'hui. C'est le meilleur promoteur de la côte Est. Et mon idole. C'est une légende, c'est vrai. Tu vas peut-être le croiser? Oui, peut-être. On va avancer la visite Maya à midi. Voilà! Parfait! Qu'est-ce que vous faites? Rien, j'apprends possible l'impossible, comme d'habitude. Ah, tu n'es pas ma petite protégée pour rien. Bientôt, l'élève dépassera le maître. On se retrouve à la piscine. Très bien. Bon, les dernières critiques sont tombées. Et notre petit hôtel est en danse, comme ils disent. Ou branché, je ne sais plus. Enfin bref, regarde le nombre d'étoiles. Nos clients sont très satisfaits. Et c'est surtout grâce à toi. Oh, merci, Bob. Mais je ne suis pas tout seul. Oh, arrête, sois pas si modeste. Je suis dans ce domaine depuis 20 ans. Et ce genre de critique, ça n'arrive pas tous les jours. C'est vrai. Je te pose donc la question. Pourquoi tu tiens tant à être transféré dans notre hôtel de Tahiti? Je suis un bourlingueur. Tu sais ce qu'on dit? On se reposera quand on sera mort. J'ai pas envie de devenir un robot. Un robot? Oui, comme ces gens tellement dans leur routine qu'ils ne se souviennent même plus quel jour on est. Ça te parle? Je sais qu'aujourd'hui on est vendredi. Ce qui veut dire grand quiz du vendredi autour de la piscine. Et je suis en retard. C'est beau. Qu'est-ce que tu en penses? Je dois bien avouer que cet endroit est phénoménal. Et romantique. T'as vu le dépliant sur la plongée? Oui, ça a l'air super. Jamais de la vie. Oh, ça a l'air sympa pourtant. Oui, je sais, mais... Oui, oui, pas besoin de me reparler de ta peur des profondeurs. Je t'ai prévenu quand on a réservé ce séjour. Certaines personnes ont peur de l'altitude, d'autres des araignées. Alors est-ce si grave si cet océan si profond me fait un peu peur? Message reçu. À nous, santé. On est enfin en vacances, j'ai du mal à y croire. Regarde, chérie, il est là. Qui ça? Gus Van Houten. J'ai appelé mon bureau aujourd'hui et la rumeur dit qu'il veut construire un méga complexe hôtelier ici. Oh. Chérie, ça t'embête pas si je vais le saluer? Ça peut pas attendre un peu. C'est vrai, la soirée est parfaite, je me disais qu'on pourrait peut-être aller faire un tour. Oui, mais j'aurais peut-être pas d'autre opportunité de lui parler. Ça va. Fais-le. Va lui dire bonjour. Je vais aller voir la piscine, comme ça je te la décrirai plus tard. Très bien. Fais vite, je te le promets. Regardez qui voilà. Allez, viens là. Viens juste de finir de dîner. On dirait que tu sais t'y prendre avec les animaux. Ouais, comme ça c'est facile à dire. Ces bestioles ont leur volonté propre. L'équipe qui s'occupe de la piscine est censée les enlever. Tu m'aides? Oh, allez, approche, approche.
Oh, ça y est, je t'ai... Oh, tu sais, tu n'as pas à rougir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une créature mythique que tu n'es pas aussi important que les autres animaux géants de la piscine. Je pense en particulier à Madame Licorne avec son égo surdimensionné. Ne te sous-estime pas. On dirait le début d'une adorable histoire. Bon, je vais retourner là-bas. Et pour demain, si vous avez envie de quelque chose de plus excitant que de lézarder la piscine, il suffit de le dire. Je connais quelqu'un qui pourrait vous conseiller. C'est ça. Tu sais, un homme extrêmement sage a dit « Quand on dit non à l'aventure, on dit non à la vie. » Ah oui? Qui a dit ça? Moi. Ça n'en reste pas moins vrai. Bonne nuit. Toi aussi. Alors... Tiens, chérie, j'aimerais te présenter Monsieur Van Houten. Gus, s'il vous plaît. Je suis ravi de vous rencontrer, Kate. Moi de même. Vous avez très bon goût en matière d'hôtel. Vous avez choisi le futur deuxième meilleur hôtel de la région. J'en construis un nouveau sur la côte. Eh bien, pour que celui-ci devienne deuxième, vous allez avoir du boulot. Mais quelque chose me dit que vous allez être à la hauteur. Je l'espère aussi. Je suis enchanté de cette rencontre. Passez une bonne soirée. C'était un plaisir. On s'est rendu compte qu'on avait une quarantaine d'amis en commun. Et attends, il m'a même invité à jouer au golf avec lui demain. Waouh, c'est génial. Mais on ne devait pas lézarder à la piscine. Je croyais qu'on s'était mis d'accord sur un taux de 90-10, tu te rappelles? Je sais, mais c'est Gus Van Houten. Je peux avoir son attention pendant au moins 4 heures. C'est une énorme opportunité. Très bien. Va t'amuser, je vais trouver de quoi m'occuper. De toute façon, j'ai plein de travail à faire. Entendu. Bon, je vais payer l'addition. D'accord. Viens là, toi. Waouh, cet endroit est fabuleux. Oui. Il est l'heure du petit déjeuner. On se revoit ce soir? Rien que nous quatre? Nous quatre? Toi, moi, la lune et les étoiles. À ce soir. Amuse-toi bien. Eh bien, au moins, je tais-toi, petit perroquet. Alors... Bonjour, Sally. Oui, c'est moi. Est-ce qu'on a déjà les projections trimestrielles de notre collection Mystère? J'ai besoin de les inclure dans ma présentation. C'est le premier jour de tes vacances. Tu devrais pas ne pas travailler? Dès qu'Eric reviendra de sa partie de golf, j'aurai tout le temps que je voudrais pour... Oh! Oh non! Oh non, non, non! Sally, je te rappelle! Oh non! Oh non, 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 non! Oh, c'est pas vrai! Non. Je crois que les dieux du vent essaient de t'envoyer un message. Celui de m'esquinter les yeux sur mon ordinateur. D'être plus cool. Tu es une femme d'affaires, c'est pas la règle d'or de travailler moins, mais mieux. Chef, en rentrant, j'ai une présentation qui m'attend et une éventuelle promotion à la clé, alors il faut absolument que je travaille. Que tu te détendes, avant de finir par craquer. Assieds-toi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas envoyer le fichier au bureau de l'hôtel et j'aurai tout fait imprimer avant qu'on soit rentré. Ok. Attends, mais rentrer d'où? J'organise une randonnée. Eric et toi devriez venir. Allez, c'est qu'une petite balade dans la jungle. On verra peut-être même un iguane. Réfléchis, ça va prendre... Oh. Ça va prendre du temps de faire réimprimer toutes ces pages. Où est passé ton sens de l'aventure? Je l'ai laissé à la colo avec mes flèches et mon carquois. Et Eric est au golf pour la matinée. Tu veux que je te dise? T'as pas vraiment l'air de t'amuser. Une randonnée. De toute façon, c'est ça, ou faire la conversation avec un perroquet. Qui va probablement beaucoup se répéter en plus. Très bien, on continue. On est presque au sommet. On aura une très belle vue sur l'hôtel de là-haut. Et avec un peu de chance, on verra peut-être des ruines mayas. Tony, ça roule? Super. Parfait, toujours en forme. Tom, Brenda, vous avez toujours l'air au top. Lâchez rien. Une petite balade dans la jungle, hein? J'ai vraiment dit petite. L'effort en vaut la peine, crois-moi.
Est-ce qu'on trouve des anacondas dans le secteur? Non, non. Tu veux passer devant et guider le groupe? Je te rappelle que tu as pas mal d'expérience dans ce domaine. Oh, je ne guide les randonnées que quand les moustiques sont petits, quand ils font la taille d'un pamplemousse. Ce n'est plus dans mes compétences. Très bien. Alors parle-moi un peu, raconte-moi ta vie. Ça t'évitera de penser aux serpents. Tu écris toujours des histoires? Non, même si cette randonnée a tous les ingrédients d'un funeste récit d'aventure. Oh, j'ai jamais encore perdu personne. Mais la journée est encore longue. Alors, comme ça, tu es directeur des activités. La plage, les jus exotiques, le soleil, ça a l'air vraiment dur. Ah, tu es injuste, tu as oublié le bronzage. C'est comme si tu étais tout le temps en vacances, en fait. C'est tellement différent de mon monde. Oh, je connais une chose ou deux sur ton monde. C'est vrai, ici, c'est le paradis. Je suis un peu surpris que t'aies fini dans le marketing. T'étais pas parti à l'université pour étudier l'écriture créative? Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué pour raconter des histoires. Est-ce que tu as continué? J'en avais envie, oui, mais je savais que je devais survivre dans le vrai monde. Ma raison a pris le dessus et j'ai passé une maîtrise en gestion. Mais j'avais un plan secret. J'ai décroché mon tout premier poste dans une maison d'édition en pensant faire mon trou comme une petite taupe qui réussirait à se frayer un chemin jusqu'au côté créatif. Mais je suis rentrée dans un mur, j'ai pris le mauvais virage et je me suis retrouvée au département marketing. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Ta petite histoire triste s'est transformée en charmant conte sur une petite taupe. Encore une preuve que tu devrais écrire. Bravo à tous, nous voici enfin arrivés au bout de la randonnée. Reposez-vous, détendez-vous et buvez de l'eau. Même si le retour va être beaucoup plus rapide. Ça va être génial. Plus rapide, c'est-à-dire? Tu verras. J'arrive pas à croire que tu m'aies entraîné là-dedans. Dis-moi que c'est une blague. C'est le chemin le plus rapide. Oui, sauf si tu tombes, ce qui m'apparaît comme une grande possibilité. Je me sens vraiment pas à l'aise du tout. Eh bien, c'est justement une de mes spécialités. Aider nos vacanciers à dépasser leurs peurs, les faire sortir de leur zone de confort, mais à leur rythme, bien sûr. Ok. Foncer dans les airs à 30 mètres du sol, c'est beaucoup trop loin de ma zone de confort. On n'est pas à 30 mètres. Si, c'est plutôt. Et c'est sans danger, l'équipement est régulièrement vérifié. La seule chose que tu risques, c'est de passer à côté d'une expérience unique. J'irai quand je serai prête. Bien sûr. On ne me pousse pas, non. Pas de pression, comprends. Pas de « allez, on y va ». J'oserai jamais. C'est moi qui décide quand j'y vais. J'ai bien compris. Respire à fond, ça va aller. Tu es harnaché, alors aie confiance, amuse-toi. Je m'amuse pas du tout. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé? Jamais, Señora. Oh. J'aurais dû poser la question avant. Je ne m'en lasse pas. C'est génial, pas vrai? Oui. Attends, c'est fou, Kate. T'as fait quoi? De la tyrolienne. Enfin, on m'a un peu mis la corde au cou. Mauvais jeu de mots. Mais je dois bien admettre que ça m'a aidé à me distraire pendant cette journée en solitaire. Bah, il était où, Eric? Oh, on a frappé. Faut que je file. Salut. Shep? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ravissante. Votre dîner aux chandelles vous attend. D'habitude, je ne m'occupe pas de ce genre de choses, mais je me suis dit que je te devais bien ça. Merci. Eric est déjà là-bas. Où est-ce? Tu n'as qu'à suivre le chemin de Pétale de Rose. Rires.
Eric? Eric? Tu es là? Salut, chérie. Tu es fabuleuse. Ah oh! Oh là! Oh, Seigneur! Oh. Attends, viens. On ne mangera pas ici. Il est énorme. Je suis vraiment désolée. De temps en temps, il nous arrive d'avoir des visiteurs non désirés à l'hôtel. C'est l'inconvénient d'être si près de la jungle. Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour un hôtel 5 étoiles. Oh, c'est pas grave. Cette petite créature était mignonne. Elle m'a seulement un peu surprise. Je vous propose ceci. On pourrait reporter votre dîner aux chandelles et vous pourriez dîner au restaurant ce soir à la place. C'est parfait. Ah, c'était délicieux. La soirée s'est bien finie, malgré la boue et les iguanes. Et la tyrolienne, c'était bien plus marrant que je ne pensais. S'il y a une chose que je dois lui reconnaître, c'est que Shep m'a vraiment sorti de ma routine. Avoir la grippe aussi, cette sorte de ta routine, c'est pas pour ça que c'est agréable. En tout cas, je suis contente qu'on soit là tous les deux. J'ai cru comprendre qu'il y a quelque chose dont tu voulais me parler. Bonsoir à tous, bonsoir. Je suis ravi de voir tant de visages souriants ce soir. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Je prends ça pour un oui. Vous savez qu'on est très romantique ici, dans cet hôtel. Et je crois qu'on sait tous que l'une des choses les plus romantiques que l'on puisse faire pour sa tendre moitié, c'est de l'écouter quand elle parle. Alors on va tenter de découvrir à quel point certains de nos couples se connaissent grâce à un petit jeu que nous appelons le grand quiz des couples de Cancun. Je vais avoir besoin de 3 couples volontaires parmi vous. Alors qui veut jouer? Vous deux, dans le fond, venez ici, vous serez à la table numéro 1. Oui, et alors qui d'autre? Vous, vous! Bel état d'esprit. Vous serez à la table numéro 2. Très bien, il nous manque encore 2 amoureux qui veulent venir. Alors ne soyez pas timide, encore un couple. N'ayez pas peur. Eh, pourquoi pas vous? Nous? Venez, vous allez gagner. J'ai l'impression qu'il n'y a que des chaussettes dépareillées ce soir, vous ne pouvez pas perdre. Et puis, il y a un chouette prix à la clé. Pourquoi pas? Bonne idée. J'espérais qu'on allait passer du temps tous les deux en amoureux. Très bien, on se dirige maintenant vers le dernier round. C'est important parce que la course est serrée entre nos concurrents. Alors, tournons-nous vers Kate. Pour 10 points, pourrais-tu me dire quelle était la première voiture d'Eric? Alfa Romeo Spider Veloce. Correct. Bien, passons à Eric. Maintenant, Eric, quand elle était au lycée, quel était le métier que Kate rêvait de faire? Ça, c'est facile. Celui qu'elle va décrocher, directrice marketing dans une maison d'édition réputée. Si ma mémoire est bonne, je crois que cette réponse est incorrecte. Kate, ta réponse? Écrire des livres pour enfants. Désolé les amis, merci d'avoir joué avec nous. Angela et Robert, voyons si vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Excuse-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Je savais pour cette histoire de livres pour enfants, c'était Wally l'hippocampe, c'est ça? Peg l'ornithorynque. Mais au fond, ça parle des humains. Des différents types de gens, en fait. Enfin, laisse tomber. Il se fait tard. Oui, on a une grosse journée demain. Comment ça? Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Gus nous a invités à passer la journée sur son yacht. Il veut nous montrer quelque chose. D'après ce que j'ai compris, la plus belle plage de toute la côte. C'est là qu'il veut construire son nouvel hôtel. Mais tu sais que je déteste le bateau. Tu sais que les profondeurs me font peur. Oui, mais ce sera un voyage très rapide. Et puis, ce sera sur un bateau à moteur. Ben, un rafio, ce sera comme une croisière, il peut pas couler. Eric, j'ai été patiente, je t'ai encouragée. Je croyais que peut-être on allait enfin passer du temps ensemble. Et bien sûr, justement. Il a une plage privée, on sera ses seuls invités. Il n'y aura que nous deux. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, je vais y réfléchir. Super. Bon, je vais aller laisser un mot à Gus à l'accueil, d'accord? Ok. Coucou, Sally. Alors, est-ce que tu portes la bague? Eh bien, je crois qu'Eric comptait justement m'en parler ce soir, mais un iguane a gâché la fête. Un iquoi? Oh, laisse tomber. Allez, oh les cœurs, demain est un nouveau jour plein de nouvelles aventures. Oui, et j'espère qu'il n'y aura pas un naufrage. Et avec de la chance, je passerai peut-être un peu de temps avec Eric. Bon, on se rappelle bientôt. Wow, quelle belle journée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Où est le bateau à moteur? J'en sais rien. Ah, revoilà la célèbre Kate. D'après ce qu'Eric m'a dit sur le parcours de golf, vous êtes l'un des talents montants de l'édition. Oh, j'imagine qu'il a tendance à tout exagérer quand il joue au golf. Bien, je suis venu avec mon voilier. C'est une magnifique journée pour naviguer. On va avoir de belles vagues. Oh non! Je crois qu'on tient notre première victime. Ça va aller, le vent est parfait aujourd'hui. On va se frayer un chemin sans problème. Vous êtes sûr que la mer n'est pas trop agitée? Trop agitée? Non, ça, jamais. Une fois, j'ai même remporté la Nautica Cup avec un ouragan derrière moi. C'est lui qui m'a poussé sur la ligne d'arrivée. Bienvenue à bord. J'étais déjà pas très partante, mais sur un voilier... Chérie, on naviguera moins d'une heure. On va passer 2 heures à la plage et on sera rentré pour dîner. D'accord? Bien. En fait, je vais rester ici. La voile, c'est pas mon truc. Tout va bien? Oui, Gus. Je ne suis pas très à l'aise sur l'eau. Et en plus, j'ai pas mal de travail. Chérie, si t'as vraiment pas envie de venir, je reste avec toi. Non, c'est bon, ça va aller. Je vais me trouver une chaise longue pour mon ordinateur et moi. Et puis tu sais, il n'y a rien de plus romantique qu'un marin qui rentre de mer, pas vrai? Je vous promets de vous ramener Eric avant le coucher du soleil. D'accord? Et n'oublie pas notre dîner de ce soir. Il y a une chose dont je veux te parler. Pas d'imprudence. La clé, c'est que, quelle que soit la demande, tu dois toujours avoir une solution. Par exemple, si notre hôte veut se détendre. Du yoga. Mm-hmm. Ou un massage. S'il veut de l'adrénaline. Oh, parachute ascensionnel. Ou plonger avec les requins. Du limbo. Du limbo, pas bête. C'est vrai que c'est bon pour le cœur. Oh, tiens. Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Tu es perdu? En fait, je cherche quelque chose à faire. Oh, tu as frappé à la bonne porte. Tu as envie de quoi? Ping-pong? Non, trop enfantin. Danse cardio? Trop de sueur. Saut à l'élastique? Quoi, c'est génial. T'avais pas des projets pour aujourd'hui? Si, j'étais censée faire du bateau avec Eric, mais j'ai fait marche arrière. C'est idiot, mais j'ai très peur des profondeurs, oui, je me rappelle. Ça n'a rien d'idiot. Je suis surpris qu'il t'ait proposé ça. Je sais ce qu'il te faut. Suis-moi. Pourquoi ça ne m'inspire pas confiance? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu ne le sauras pas en restant planté là. Viens. Je crois pas en être capable. Tu t'en sors bien. Commence tout doucement et en moins de 2, tu seras une championne. Je pourrais être championne plus près de la plage. Suis le mouvement, regarde ce que je fais. Et à tout moment, si tu sens que tu préfères aller boire des cocktails, tu n'as qu'à me le dire. Ah oui. Est-ce que c'est un requin? Non, ça c'est un enfant avec un tuba. Mais c'était mignon. Allez. Pose sur tes jambes. Garde les genoux pliés, la rame dans l'eau, et on est bon. Oh. Je suis debout. Et je suis là avec toi. Je suis debout, t'imagines? C'est super, bravo. Ok. Pour être honnête, je trouve ça vraiment cool. Eh oui. Tu veux faire la course? Je préfère quand même continuer à essayer de ne pas tomber. Tu sais, je ne suis même pas si effrayée que ça, au fond. Bon, je te l'accorde, on est très près de la côte, pas vraiment dans les eaux profondes. Retourne-toi. Comment tu te sens? À vrai dire, bien. Allez, top là. Ah. Oh. Ah. Oh.
savais. On arrête pour aujourd'hui? Moi, j'y retourne. Ouh, oui. La mer s'est calmée. C'est dommage que Kate ne soit pas venue. Oui, elle a toujours eu la phobie des profondeurs. Oui, même si elle n'a pas le pied marin, ça n'en reste pas moins une perle. Elle est fantastique. Elle a l'air aussi déterminée que vous. Depuis quand êtes-vous ensemble? Presque un an maintenant. C'est déjà bien. Il y a beaucoup d'huîtres dans l'océan. Elles ont toutes l'air pareilles de l'extérieur. Le plus dur, c'est de trouver la bonne. Celle qui contient une perle. C'était fantastique, merci. T'es pas du tout une débutante. En fait, t'es déjà une vraie pro. Je suis très fier de toi. C'était un chouette moment. J'aimerais en dire autant de mes vacances. Moi qui croyais qu'on avait signé pour une escapade romantique avec un tout petit peu de travail de temps en temps. Là, je vois bien que ça s'est inversé. Eh bien, tu peux peut-être voir ça comme une chance d'en profiter. Tu vois, d'explorer un peu. Il se passe de belles choses quand on sort de sa zone de confort. Et toi, alors? Tu te sens vraiment stimulée ici? T'as jamais envie de plus? J'adore ce que je fais. Je comprends en quoi cet endroit peut être attirant. Mmh. J'ai l'impression que tous mes problèmes se sont comme envolés. Si tu te sens déjà bien après une petite heure de paddle au soleil, attends de voir ce que j'ai prévu après. C'est fabuleux. J'avais pas fait de cheval depuis l'époque des colos. Apparemment, tu sais toujours comment faire. Tu dois pas retourner travailler. J'ai fini mon service il y a une heure. Je savais que si je te laissais seule, tu allais probablement encore te retrouver à la piscine avec la tête enfouie sous une pile de paperasse. Et puis, après tout, je suis tout le temps en vacances, non? Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. À propos de ton travail, je ne voulais pas insinuer que tu n'avais pas réussi dans la vie. Avant... Tu disais tout le temps que tu allais étudier la politique ou le droit, que tu voulais changer le monde. Je fais sourire les gens, je trouve que ça compte. Et j'ai la chance de faire ça dans un des plus beaux endroits du monde. Pour moi, c'est ça, avoir réussi. Mais chacun en a une définition différente. Est-ce que tu dirais que tu as réussi? Bien sûr. Je veux dire, j'ai un très bon boulot, je peux pas me plaindre. Et ça ne t'embête pas de ne plus écrire? Si, parfois, mais c'est trop tard maintenant. J'ai fait la bêtise d'être trop forte dans mon boulot. J'ai scellé mon sort. Mmh. Certains rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Eh bien, peut-être pas tous. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Et si je n'étais pas très douée? Et si tu l'étais? On ne sait jamais si on n'essaie pas. À propos, comment tu t'es rappelé que j'avais peur des profondeurs? Eh bien... On faisait du bateau à peu près tous les jours en colonie. Et je me souviens de t'avoir vu en mer à peu près... jamais. Je me rappelle pas mal de choses de ces étés-là. Oui, moi aussi. Pour être honnête, je n'ai aucun souvenir aussi agréable que ceux de cette époque-là. Alors je considère ça comme un challenge? Prête pour une petite course? Oh, t'es sérieux? Bien sûr, on faisait ça tout le temps en colo. Enfin, moi je faisais la course. Toi t'essayais plutôt de rester en selle au péril de ta vie. Oh, c'est vrai. Voilà une autre chose qui me revient sur toi. Il y a un truc que tu adores, c'est la compétition. Oh, alors là, pas du tout. Mais je te parie que j'arrive avant toi au bout de la plage. Très bien, ça me va. À trois. Un. Deux. Trois. Hey! C'est parti. Et maintenant, tu t'amuses? Wouhou! Je prends ça pour un oui. C'est absolument magnifique. J'ai jeté un œil à d'autres hôtels dans le coin. Le potentiel de croissance de ce marché est énorme. C'est aussi mon opinion. J'ai eu une maison ici pendant des années. C'est la plus belle plage de la région. Un joyau caché. Le meilleur site pour un hôtel de luxe, c'est hors des sentiers battus. Et la meilleure façon de le promouvoir, c'est aucune pub. Pour que les gens le cherchent. C'est intelligent. On n'apprend pas ça dans les séminaires.
Vous savez, je ne partage pas mes réflexions avec n'importe qui, mais j'aime donner un coup de pouce aux nouvelles générations quand je le peux. Vous me rappelez moi plus jeune, ambitieux. Je vous remercie de m'avoir emmené en coulisses. J'ai la sensation que vous apprenez vite. Peut-être pourriez-vous jouer un rôle dans tout ça. Merci de me déposer. Aucun souci. Je vois pas le bateau de Gus. On dirait qu'ils sont pas encore revenus. Évidemment, je n'ai reçu aucun message de lui. J'espère que tout va bien. Ah, le réseau peut parfois être capricieux par ici. Je reste avec toi? Ils vont pas tarder, c'est sûr. En attendant, tu as déjà vu la plaza? Non. Ah, tu ne peux pas quitter le Mexique sans avoir expérimenté la cultura locale. On y va, muchacha? Si, señor. J'aurais vraiment dû acheter ce t-shirt. Je te jure, je crois qu'il a été dessiné pour toi. Et voici ma fontaine préférée à Cancun. Un amateur de fontaine qui l'eût cru. Elle est magnifique, c'est très paisible. Petite parenthèse, les Mayas étaient de vrais maîtres en plomberie. Ils n'ont pas seulement inventé les fontaines, mais aussi les toilettes. Ah, ça, j'étais pas au courant. Oui, je sais, je suis une vraie fontaine de savoir. Oh. Mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. Tu as un pinceau? Sûrement. Il en faudrait deux. Parfait. La légende dit que si tu jettes une pièce, ton vœu le plus cher se réalisera. T'es prête? Hop! Je ne sais pas à quel point cette légende est fiable. J'ai dû jeter de quoi m'acheter une maison ici. J'attends toujours que mon vœu se réalise. Oh, c'est Eric. Excuse-moi un instant. Ah, voyez-vous ça? Les vœux se réalisent peut-être, alors? Salut, chérie. Tu es où? Je suis toujours avec Gus. Oh, si tu savais, cet endroit est merveilleux. Il y a un petit changement de programme. Gus veut que je reste jusqu'à demain. L'architecte doit arriver dans la matinée et il veut que j'assiste à la réunion. Mais qu'est-ce que tu fais de notre soirée romantique? Je suis sûre que tout a été préparé. Ça devait être un moment parfait. Écoute, je peux déplacer le dîner. Je vais appeler Shep. Ce projet, ça peut être une opportunité vraiment unique pour ma carrière. Ces vacances aussi devaient être uniques, il me semble. Attends, c'est pas toi qui disais qu'on allait quand même travailler? Si, en effet, mais je parlais de quelques heures de temps en temps, pas d'être chacun de son côté. C'était censé être des vacances ensemble. T'inquiète pas, je rentre demain. On aura le reste de la semaine. Je te rappelle plus tard. Ok. Bye. Tout va bien? Ils vont dormir là-bas. Pour rencontrer un architecte, apparemment. Eric dit que c'est une opportunité unique pour sa carrière. Je suis désolé. Oui, moi aussi. C'est vraiment dommage, ils sont en train de préparer les homards pour le dîner. On va quand même pas les mettre à la poubelle. C'était délicieux. Alors, raconte-moi, comment as-tu... atterri dans cet endroit? Ah, c'est vraiment une longue histoire. Et on dirait bien que j'ai moi-même beaucoup de temps à perdre, donc je t'écoute. Eh bien, après la fac, j'ai fait une école de droit. Oh, alors tu as vraiment fait ce que tu voulais? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop collé-monté? T'as préféré échanger tes manuels contre un surf? Non, c'est le contraire qui s'est passé. J'ai eu mon diplôme avec mention. Oh! J'ai démarré comme associé dans un grand cabinet. Et ils m'ont chargé des affaires de divorce. Au début, je trouvais ça super. C'était une façon pour moi d'aider les gens à sortir de situations malheureuses et puis à aller de l'avant. Et? Et je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas ce qu'on me demandait.
Tout ce qui importait, c'était combien ça allait rapporter. Un jour, je suis sorti du tribunal. J'ai sauté dans un taxi jusqu'à l'aéroport et j'ai pris le premier vol qui quittait le pays. J'ai atterri à Ixtapa. Dès que je suis descendu de l'avion, mon cœur a battu moins fort. Mes poumons se sont remplis d'air frais. J'étais quelqu'un de différent. Je suis rentré, j'ai postulé dans des hôtels, j'ai eu un job et je suis reparti. Depuis, je navigue à droite, à gauche. Et ta prochaine étape? Eh bien, ça reste à confirmer, mais sûrement Tahiti. T'as jamais eu envie de te poser quelque part? Si, bien sûr. Je prévois de le faire. Je veux fonder un foyer, avoir une famille. Un jour. Mais pour l'instant, j'ai plutôt la belle vie. Tant que tu ne manges pas comme ça tous les jours, parce que moi, je prendrais vite quelques kilos à ce rythme-là. Oh, mais on a un antidote pour ça. Mmh. Oh non, là tu rêves. Oh oui, je rêve. Allez, entre dans la danse. Il n'y a pas de meilleur moyen au monde d'oublier ce qui te préoccupe. Je vais avoir l'air nul si je fais cette danse. Pas aussi nul que moi, crois-moi. Et puis, si tout le monde le fait, personne ne te regardera. Oh non, non, non. Antonio. Salut. On y va. Voilà, tu es faite pour ça. Tu improvises, bravo, j'adore ça. Tu vois, c'est contagieux. C'est vrai, peut-être un peu. Bon, de quoi j'ai l'air? Nul. Et moi? T'as l'air nul. Ça veut dire qu'on le fait bien. Vous avez été parfait. Yeah, trop fort. Super, merci à vous. C'était plutôt marrant. C'était pas mal. Oh. C'est un changement de rythme assez brusque. On va devoir faire comme les autres. Ce serait assez impoli, sinon. On n'a pas le choix, pas vrai? Merci d'avoir essayé de me remonter le moral. Est-ce que ça a marché? Oui, tout à fait. Je n'ai pas pensé au travail une seule fois. Et quel effet ça fait? Ça fait du bien. Je dois bosser sur les plannings de demain. Pas de rodéo sur des animaux gonflables? Non, ce ils soir. Sont déjà couchés pour la nuit. Et toi, tu vas retourner à tes feuilles de calcul? Je crois pas, non. C'est vrai? Oui, je crois que je vais aller prendre l'air ce soir. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Figure-toi que je suis en vacances. Bonne nuit. Bonne nuit. Sally, ça va? Salut, Kate. Désolée de faire irruption dans tes vacances. Gwen est en train de devenir dingue. Et pas dingue rigolote. Non, vraiment dingue. Est-ce que son fils a encore abîmé sa voiture? Pire, elle veut voir ta présentation plus tôt pour la réunion avec Whitehall. Oh, mais elle m'avait donné la semaine pour la finir. Je suis au courant. Mais tu connais Gwen? Eh bien, t'as qu'à lui dire que je lui rendrai à la date prévue. Qu'est-ce qui t'arrive? Kate, c'est ta promotion qui est en jeu. Peut-être, mais je suis en vacances. T'inquiète pas, je l'aurai d'une manière ou d'une autre. J'espère que tu sais ce que tu fais. Dis bonjour à Eric. Si je le vois, je lui dirai oui. Hein? Désolée. Sally, c'est bien trop long à expliquer maintenant. Et il faut que j'aille me relaxer. Que pensez-vous du projet? Envergure internationale, emplacement parfait. Donc vous voyez son potentiel? Oui, absolument. Je vous suis reconnaissant de m'avoir laissé vous accompagner, Gus. Ce n'est rien. J'ai déjà passé un coup de fil à mon bureau new-yorkais. Je crois que quelqu'un comme vous nous serait utile sur ce projet. J'en serais honoré. J'ai plus appris ces dernières 24 heures qu'en une année dans mon entreprise. Merci, Maria. On pourra en parler sur le bateau. Santé. Santé. Merci. Merci. Mademoiselle Mitchell, je suis Chloé. Oh, bonjour. Alors, ces massages? Oh, c'était divin. C'était la préparation parfaite avant un jour parfait à ne rien faire. Tout ça m'a l'air parfait. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. En fait, Chloé, je peux vous poser une question? Bien sûr. Je ne sais pas si vous le savez, mais Shep et moi étions amis, il y a très longtemps. Mmh. C'était une belle surprise de tomber sur lui. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous pensez qu'il est heureux ici? Comment ça?
Je ne sais pas trop, il a l'air de vouloir changer d'hôtel tous les ans. Vous croyez que ce style de vie lui convient vraiment ? Eh bien, oui et non. Les touristes sont comme sa famille, en fait. Et personne n'est aussi doué que lui pour les rendre heureux. Mais eux, ils vont, ils viennent. Honnêtement, je pense qu'ils se sentent peut-être un peu seuls. Ok, merci. De rien. Merci, je vous signe ça. Pam, 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 pam. Très bien, soldats, formez les rangs. Nous allons chercher du sable. Quel genre de sable? Celui pour construire des châteaux. Ça veut dire ni trop mouillé, ni trop sec. Entre les deux. C'est important, vu qu'on va construire des châteaux aussi hauts que les palmiers. Non! Non, plus haut, jusqu'au nuage, jusqu'à la lune. Allez, c'est parti, votre matériel vous attend. On fonce, on fonce. Tiens, ce serait pas le joueur de flûte de Cancun? Je vois que tu sais toujours y faire. Oui, la moitié de notre équipe garderie est au lit avec la grippe. Je donne un coup de main. Ils ont de la chance. Je fais ce que je peux, mais c'est pas évident. J'imagine que tu ne veux pas m'aider? Leurs parents ne reviennent pas avant un bail. J'aurais bien besoin d'une Ginger Rogers, moi pauvre Fred Astaire. Merci pour l'offre, mais ça fait un moment que j'ai pas passé du temps avec des enfants. Arrête un peu. T'as géré le paddle comme un chef hier. Je crois que tu peux t'en sortir avec quelques adorables têtes blondes. C'est vrai qu'ils ont l'air adorables, mais je t'ai vu danser. Tu n'es pas Fred Astaire. Hein? Out. Voilà un très joli pâté de sable. Pâté de sable? Oh, tu te fais avoir par l'apparente simplicité de mon édifice, mais il va contenir 300 étages d'architecture à la pointe. Oh, wow, wow, wow. Je crois qu'on est en train de les perdre. Une idée? Un filet à papillons géants? Je sais pas. Raconte-leur une de tes blagues, ça devrait les endormir assez vite. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Les enfants, venez là. Écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous voyez ce parasol? Là-bas, quelqu'un va vous raconter une histoire. Ouais! Qui, moi? Ah non, y a aucune chance. Si. Ah, nous voilà. Bon. Kate va vous raconter une petite histoire. Et pas n'importe quelle histoire. Non, moi je vous parle de la meilleure histoire que vous entendrez de toute votre vie. Pas de pression. Merci. Je vais faire comme si tu n'étais pas sarcastique. Ok, alors... Eh bien, il était une fois une petite ornithorynque qui s'appelait Peg. Comme vous le savez tous, un ornithorynque maîtrise deux choses. Il peut nager comme un canard, ou il peut gambader partout comme une loutre. Et un beau jour, alors que Peg regardait tristement son image se refléter dans l'eau, tout à coup, elle s'est demandé « Qu'est-ce que je suis ?» Devait-elle nager en file indienne avec les canards, ou devait-elle faire des bonds et jouer comme des loutres ? Alors, Kate et vous avez des projets pour l'avenir? Oh, pas vraiment. On est trop concentrés sur le présent. Je vous ai entendu lui dire que vous aviez une annonce importante à lui faire. Oui, j'ai repéré un lotissement à New York. C'est un bon investissement, je vais lui demander de participer avec moi. Comme ça, elle pourrait avoir des parts. Eric, laissez-moi vous donner un autre conseil non sollicité. Une femme n'attend pas de son compagnon qu'il soit son associé. Elle veut quelqu'un avec qui elle puisse vieillir. Chaque chose en son temps, mais c'est prévu. Le mariage, c'est bon pour le business. Tous mes associés sont mariés. C'est signe qu'un homme a réussi sa vie. Eh bien, peut-être que c'est la prochaine étape. Vous feriez bien de commencer à hisser votre voile sans attendre, si vous voulez gagner la course. Et donc, après avoir sauvé la ville des ornithorynques, son aventure s'est achevée. Et Peg s'est rendu compte que
quelles que soient les choses que les autres animaux disaient, elle pouvait très bien être un canard quand elle voulait, ou une loutre si elle en avait envie. Ou n'importe quoi d'autre si elle le désirait vraiment. Et c'est... la fin. C'était super. Toujours aussi forte. Je suis sérieux. Il faut que tu écrives cette histoire. Et une fois rentré à New York, tu vas aller dans le bureau de ta patronne et tu vas le jeter sur son bureau. Et bim. Et c'est tout ce que je lui dis. Et bim. Oh, peut-être quelque chose de plus éloquent. C'est toi l'auteur, tu trouveras. C'est vrai. Kate, tu es vraiment douée. Exceptionnelle. Tu devrais écrire et tu le sais. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu dis que tu veux t'installer un jour ou l'autre. Avoir un foyer et une famille. Comment veux-tu que ça se concrétise si tu continues à ne pas tenir en place? Tu vis dans un monde imaginaire. Tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu ne fais que la fuir. Écoute, le vrai monde, j'ai essayé. Et je ne vais pas y retourner. Ok. Bon, peut-être que les divorces, c'était pas un bon choix. Mais c'est pour ça que tu vas jeter l'éponge? Enfin, tu pourrais aussi... t'occuper du droit de la famille, rassembler les gens, ça c'est vraiment ton truc, t'es le meilleur. C'est vrai, regarde-toi avec les enfants, tu as toujours été comme ça. Kate, j'ai... Un homme extrêmement sage m'a dit qu'il était important de sortir de sa zone de confort. T'as l'air en forme. Merci. Je viens de surligner tous les sports de raquettes dans les dépliants destinés aux chambres et je m'attends à avoir pas mal de réponses. Parfait, merci. Alors, Tahiti, c'est super, j'espère que vous allez la voir. C'est un magnifique hôtel. Et ensuite, après cette année à Tahiti, où va nous mener le grand tour du monde de chef? Je ne sais pas trop. Je vois pas aussi loin. Je pourrais pas faire ça. Je sais pas bouger à droite, à gauche sans jamais voir mes amis et ma famille. Je crois que j'ai besoin d'être entourée par les gens qui m'aiment. Mais c'est propre à chacun et... vous avez votre amie Kate ici, ça doit être bien. C'est quoi votre histoire à tous les deux? Y a aucune histoire. On est de vieux amis. Moniteur de colo, c'est ça? C'est ça, oui. Ça a dû être une période sympa. Ça l'était. Peut-être les meilleurs étés de toute ma vie. Salut. Tu te remets au travail? On peut dire ça comme ça. Je travaille sur une vieille connaissance. Peg. Elle est très mignonne. J'avais oublié combien c'était amusant. Eric n'est toujours pas là? Non, pas encore. Pourquoi? Eh bien, je veux pas t'interrompre dans ton inspiration, mais si ce n'est pas trop urgent, ça te dirait de vivre une aventure à laquelle aucun touriste n'a accès? Et comment? Comment tu te sens? C'est pas trop difficile? Quoi? Cette petite rivière? J'ai vu pire. Tu m'as dit des choses un peu dures tout à l'heure. Notamment que je fuyais la réalité. Oui, j'ai été dure et tu m'as sûrement... pas tort. Pas tout à fait. Même si ça m'ennuie de l'admettre. En fait, il y a une autre raison qui m'a fait quitter le droit, pour travailler dans des hôtels. J'ai été fiancé, un moment. À l'époque où j'étais spécialisé dans les divorces. Je regardais tous ces couples devenus ennemis, et je me demandais comment ils avaient pu ne pas voir de signes. Je me suis juré que moi, ça ne m'arriverait jamais. Et voilà qu'un jour, ma fiancée aussi est partie. Je n'ai rien vu venir. Tout ça parce qu'au fond, j'étais tellement absorbé par mon travail et par ce que je faisais que j'étais devenu celui que je ne voulais pas devenir. Donc la vie dans les hôtels, c'était une façon de s'évader. Tu as dû te dire que si tu n'étais plus proche de personne, tu ne souffrirais plus jamais.
On est arrivé. Nous y voilà. Tu veux me donner un indice sur ce qu'il y a là-dessous? Est-ce que je t'ai déjà piégé jusque-là? Les dames d'abord. Non. Non. D'accord. Attention, ça glisse. Ok. Oh! Waouh! Incroyable! Ça s'appelle un cénoté. Toute cette zone repose sur un terrain calcaire. Quand il pleut, l'eau coule dans le sol et de temps en temps, ça donne naissance à ça. Waouh! C'est assez magique. Je crois que je ne vois même pas le fond. Probablement pas. Certains ne sont profonds que de quelques centimètres, mais dans d'autres, tu as plus de 30 mètres de fond. Tu te sentais obligée de le préciser, ça? Ferme les yeux. Écoute. Tu peux entendre l'eau qui arrive de la grotte d'à côté. C'est paisible. Tu sais ce qui est drôle? Quand je ferme les yeux, je ne vois plus de chiffres. Ah non? Et que vois-tu? Toi, tu es un peu comme un cénoté. Tu as des profondeurs cachées. Ah oui, tu crois ça? Oui. Ah oh, oh, oh. Ce n'est qu'une petite chauve-souris. Oh, tu aurais pu me prévenir. Oui, j'aurais pu, mais tu ne serais jamais descendu voir ça. Vraiment très marrant. Et très vrai. J'ai failli oublier. Je t'ai acheté un petit cadeau d'au revoir, au marché. Les gens pensent que les perles t'aident à trouver ton chemin si tu es perdu. C'est magnifique. Merci. Ah, c'est juste une petite chose pour te souvenir de moi. Je ne crois pas avoir besoin d'un bracelet pour me souvenir de toi. C'est Eric. Leur bateau est en train d'arriver au port. Ouais. Je crois que c'est Eric. Shep, merci pour aujourd'hui. Merci pour tout le reste. Oh. Faire en sorte que nos hôtes soient heureux, c'est mon métier. Kate, chérie! C'est bon de te revoir. Je suis désolé que ça ait dû se prolonger. Si j'avais su... Ça fait rien. J'espère au moins que ça en valait la peine. C'était fabuleux. Mais arrêtons avec cette histoire, on en parlera plus tard. D'abord, toi et moi. Je sais que ce séjour est censé être romantique et je veux me faire pardonner. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, de notre avenir. Si on le faisait ce soir, notre dîner aux chandelles, hein? Rien que nous deux. Super, je vais appeler Shep et lui demander d'organiser ça. Tu sais, il a tellement travaillé ces derniers temps, on va pas lui en demander davantage. Ça fait partie de son boulot, t'en fais pas. Allez, viens.
Ce voyage était incroyable. Il est temps de porter un toast. Bon, ils ont oublié la glace, mais du champagne chaud, ça veut dire plus de bulles. Oui. À nous. Avec les planètes aussi bien alignées, nos carrières au beau fixe, nos deux futures promotions, il est temps de parler d'avenir. De notre avenir. Il est temps que je hisse ma voile. Ce que j'essaie de dire, c'est... Kate, veux-tu devenir ma femme ? Kate, je suis... Enfin, je dois avouer que je m'y attendais. Mais maintenant que le moment est venu... Waouh. Waouh. Alors, c'est un oui? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour... y réfléchir. Très bien, je sais que c'est pas rien. Mais je veux que tu saches qu'il n'y a aucune autre femme dans ce monde qui soit faite pour moi comme tu l'es. C'est fou, j'arrive pas à y croire. Je vais devenir le bras droit de cet homme. Je vais l'accompagner tout le long du projet, du plan de base jusqu'à la construction. Désolé, voilà que je recommence. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de réfléchir à ce que je te disais hier soir ? À vrai dire, j'arrive pas à penser à autre chose. Bon, prends ton temps. Il faut que j'aille en ville. M'occuper de quelque chose et peut-être que quand je reviendrai, on pourra se reposer tous les deux. Oui. Salut patron, j'ai eu ton message, tout va bien ? Salut chef, tout va plus que bien. J'ai reçu un courriel aujourd'hui, ça parlait de toi. Oh, est-ce que ça venait du siège ? Un peu mon neveu, grande nouvelle. Oh, je te laisse le lire toi-même, je veux pas te gâcher la surprise. T'as eu Tahiti. Apparemment, tu as fait très bonne impression. Waouh, Tahiti, c'est génial. Ça a pas l'air de te rendre heureux. Non, si, au contraire. C'est super, merci. Tu ne le dois qu'à toi. Oh, j'ai appris pour ton ami et son compagnon. Ils se sont fiancés hier soir pendant le dîner. C'est une bonne nouvelle ? Oui. Oui, super nouvelle. Enfin bref, c'est ton jour de congé, donc va te reposer. Et félicitations pour Tahiti. Merci. Oh, Shep, une dernière chose. Tu sais dans combien de temps à peu près tu vas nous quitter ? Je dirais le plus tôt possible. Bonjour, Sally. Kate, qu'est-ce qui se passe ? Gwen est en train de devenir folle. À cause de ma présentation ? Je l'aurais fini à temps, je te le promets. Est-ce que tu vas bien ? Hier, t'avais l'air en pleine forme. Aujourd'hui, c'est pas la joie. Oh, c'est seulement que ce ne sont pas des vacances comme les autres. Oh mon Dieu ! Eric t'a demandé en mariage ? Oui, il m'a demandé. Hier soir... Oh, mais c'est fantastique ! Je te l'avais dit ! Félicitations ! Qu'est-ce que ça fait ? C'est ça le plus étrange. J'en suis pas sûre. T'es pas sûre de quoi ? À propos du mariage ? Je ne suis plus sûre de rien, en fait. J'ai l'impression que tout ça va trop vite. Comment ça ? Tu réfléchis beaucoup trop. Tu crois ça ? Kate, t'es en train de vivre un roman d'amour.
Tu devrais être ravie. Alors pourquoi je me sens si perdue? Écoute, on se rappelle plus tard. Shep? Kate? Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Désolée de débouler comme ça. J'étais pas sûre que tu habitais ici, mais quelqu'un m'a indiqué cette direction. Oh, oui, c'est bien là. Ma petite maison. Enfin, plus pour longtemps. Ils ont accepté ma mutation. Je vais à Tahiti. Oh, super. On dirait que toutes ces pièces dans la fontaine, ça a marché. Oui. Certaines, en tout cas. Félicitations pour tes fiançailles, on vient de me l'annoncer. J'ai pas encore dit oui. Ah. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Je le veux. Ou je le voulais. Je ne sais plus. Je croyais que j'avais tout. Le train de vie, la carrière, le fiancé. Je croyais que c'était le bonheur. Mais cette semaine, je me suis rendu compte que... j'étais trop occupée pour voir que je me trompais. Kate, parfois les gens viennent ici en vacances et tout à coup, ils voient leur univers sous un autre angle. Mais tu l'as dit toi-même, c'est seulement du rêve. Pas la réalité. Eric a l'air d'être génial. Si tu dis non, tu rateras peut-être quelque chose de bien. Tu sembles surprise. Ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre. En fait... je ne sais pas ce que je m'attendais à entendre. Les vacances, c'est un moyen de s'échapper. C'est tout ce que c'est. Oui, mais toi, alors? Tu t'es échappé de ta vie il y a longtemps. Et tu as construit un mur autour de toi que personne ne peut franchir. Mais Shep, il y a des gens qui veulent le franchir. Toi et moi, on s'est laissé emporter. Par le moment qu'on a vécu. Mais tu vois, ce moment... il est passé. Il faut que je fasse mes bagages. Bon, alors, je vais te laisser. C'est ton jour de congé. Lève un peu le pied. Tu l'as déjà eu, ta promotion. C'est sûr, on va perdre le plus travailleur de l'équipe. Non, je te laisse seulement quelques notes, non pas que tu en aies besoin. Merci, patron. Dis donc, Bob, ça te va si j'arrête aujourd'hui? Ah, c'est quand tu veux. Aucun problème. T'es vraiment un as, Shep. Je sais pas ce qu'on va faire sans toi. Vous vous en sortirez. Chloé est plus petite que moi, mais elle est deux fois plus maligne et trois fois plus charmante. Là, si je reste une minute de plus, je vais commencer à pleurer. Alors, adios, Shep. Vous êtes le meilleur. Non, c'est toi. Hé, continue à être inventive et tu deviendras bientôt la patronne des lieux. T'es sûr de toi? Ah, j'ai une sorte de don pour savoir quand il est temps de partir. Il est temps. Je t'ai déjà raconté ce qui m'a amené ici il y a quelques années. Laisse-moi deviner. Un chagrin d'amour? Pitié. Une offre d'emploi. Et un chagrin d'amour. Écoute, je comprends. On se reposera quand on sera mort, tout ça. Quoi que tu partes chercher, j'espère que tu le trouveras. Mais n'oublie pas de t'arrêter de temps en temps pour lire les panneaux sur ton chemin. C'est-à-dire? Mon expérience de vieux robot m'a appris que parfois on est tellement obsédé par la recherche de ce qui va faire notre bonheur qu'on peut passer à côté alors qu'il est tout prêt. Réfléchis à ça.
Salut Kate, vous avez le temps de nous raconter une autre histoire? Eh bien, je crois que je peux improviser quelque chose. Asseyez-vous. Alors, laissez-moi réfléchir. Ok. C'est une histoire qui parle d'une princesse qui avait le choix entre deux princes très mignons. L'un des princes était royal et ambitieux. Il avait réussi. Il construisait de magnifiques châteaux dans tout le royaume. Il avait vraiment toutes les qualités princières que la plupart des princesses adorent. Mais l'autre prince, lui, il aimait s'amuser. Il était aventureux et il faisait rire la princesse aux éclats. Mais son château à lui était fait de sable. Un jour, le prince ambitieux demanda sa main à la princesse. C'est quelque chose qu'elle attendait. Mais très étonnamment, elle n'arrivait pas à traverser le pont-levis. En contemplant l'énorme château, son esprit revenait sans cesse vers le château de sable sur la plage. Et donc... Excusez-moi. Je suis désolée, mais je suis attendue. Mais elle finit comment, l'histoire ? Je vous le dirai quand je le découvrirai. Je suis désolée que ces vacances aient pris cette tournure. Tu sais, l'autre soir, quand je t'ai demandé ta main, je l'admets, je m'y suis mal pris. C'était précipité. Et je t'en veux pas de m'avoir demandé un petit peu de temps. Mais je veux réparer mon erreur. Eric, t'es fou. Oui, parce qu'on est bien ensemble. Et avoue qu'avec la direction que prennent nos carrières, on y gagnerait tous les deux. On y gagnerait. Absolument. Et on ferait partie du club. Un puissant couple marié prêt à conquérir le monde. Donc tout ça, c'est en rapport avec nos carrières? Non, mais admets que ça aurait de l'allure. Peut-être que je ne veux plus que ma vie ne tourne qu'autour du travail. J'ai pris conscience de beaucoup de choses récemment. De choses que j'avais oubliées sur moi-même. C'est vrai que j'aime m'amuser... Que j'aime l'aventure, la créativité. Et ne pas avoir l'esprit rempli de chiffres dès que je ferme les yeux. Peut-être que je suis plus une loutre qu'un canard. Tu es quoi? C'est l'histoire de mon livre. Ah oui, oui, bien sûr. Je ne peux pas accepter. Chérie, j'ai fait quelque chose de mal? Non. Aucun de nous deux n'est fautif. Mais il est de plus en plus évident qu'on est deux personnes très différentes, qui veulent des choses différentes. Tu vas trouver une femme qui désirera les mêmes choses que toi. Cette femme, ce n'est pas moi. Je suis désolée. Excusez-moi, Shep est là? Non. Vous savez où il est? Eh bien, il vient de donner sa démission. Il a pris ses affaires et il est parti. Aussi vite? C'est Shep, il est comme ça, il n'aime pas les adieux. Il est parti depuis combien de temps? Ça doit faire une heure environ. Il est parti vers la place pour prendre un bus pour l'aéroport. Si vous faites vite... Vous pouvez m'appeler un taxi? Je peux faire ça. Tenez, gracias.
Navré de te l'annoncer comme ça, mais il est rare qu'elle exauce les vœux. Oh, je croyais que t'étais déjà parti. J'ai loupé le bus. Le prochain part bientôt. Où est Eric ? J'ai rompu avec lui. C'est quelqu'un de super, mais pas celui qu'il me faut. Je m'en rends compte maintenant. Je me suis enfin sentie moi-même ces derniers jours. Plus que pendant ces 10 dernières années, c'est en grande partie grâce à toi. Ça, je sais pas trop. Moi, je le sais. Tu m'as aidé à redécouvrir qui je suis vraiment. Ce qui me passionne, ce qui me rend heureuse simplement. Et surtout, qui peut me rendre heureuse? Je t'en prie, Kate, on en a déjà parlé. Ce n'est... qu'un rêve? Non. Non, tu te trompes. C'est quelque chose de réel entre nous. Mais si tu ne ressens rien, alors je partirai. Écoute, je comprends. Tu as souffert. Mais si tu montes dans ce bus maintenant, c'est peut-être toi qui vas passer à côté de quelque chose de bien. Alors s'il te plaît, laisse-moi franchir le mur. Faut vraiment que j'y aille. Hey. Tu m'as dit que ça a aidé à trouver son chemin quand on était perdu. J'espère que ça marchera. Kate! Attends! J'ai oublié quelque chose. Ça fait 20 ans que j'attends de faire ça. Je crois que moi aussi, au fond. Comment on fait pour Tahiti? Jamais entendu parler. Et puis, ce dont j'ai besoin se trouve juste sous mes yeux. Merci. Oh, cet air frais, cette douce brise, cet endroit m'a manqué. Ah, je te comprends. Encore une parfaite journée. Oh, ah, merci. Merci. Je propose un jogging sur la plage. Oui. Ou de la plongée, ou du catamaran au crépuscule. Je ne sais pas trop. Je pensais m'allonger à la piscine, mais faire un peu de paperasse. C'est pas marrant. Non. Bienvenue au paradis. Voilà un visage familier. Shep m'a dit que vous étiez directrice des activités. Félicitations, merci. Ça a été rapide. J'ai été formée par le meilleur. Je suis tellement contente de vous revoir ici tous les deux. Je vois que vous avez la formule lune de miel. Alors, et le droit de la famille, Shep? Eh bien, pour être tout à fait honnête, il m'a fallu du temps pour me réhabituer au costume, mais c'est merveilleux de réconcilier les gens. Je crois que c'est ma vocation. C'est super. Excusez-moi, madame, est-ce que c'est vous? Oui,
Vous pouvez signer mon livre? Bien sûr. Comment tu t'appelles, ma chérie? Joséphine. Joséphine, parfait. Voilà pour toi. Et n'oublie pas, Joséphine, comme Peg l'ornithorynque, tu es tout à fait libre de choisir qui tu veux devenir. Ça me fait drôle d'être ici en tant que touriste. Je crois que je ne vais pas beaucoup travailler. Et tu sais quoi? Je trouve ce programme parfait.